Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Fortnite. Aujourd'hui les amis, du coup on se retrouve en fait pour parler un petit peu de l'actualité de Fortnite Android. Dans cette vidéo du coup on va voir tous les appareils qui seront disponibles, qui seront compatibles avec Fortnite sur Android. Et on va également un petit peu spéculer sur des potentielles dates de sortie tout simplement de Fortnite Android. Donc pour commencer on va un petit peu se remettre dans le contexte. Il faut savoir que du coup Fortnite est sorti sur mobile, du coup sur iOS, donc sur iPhone, iPad, iPod Touch, tout simplement. Il est sorti il y a environ un mois et demi, deux mois tout simplement. Le jeu a fait un carton, vraiment. Il y a énormément de joueurs qui s'y sont mis sur iPhone. Du coup, le jeu a généré énormément de revenus, etc. Vous aurez des stats qui s'affichent maintenant à votre écran. Mais bref, je crois qu'en quelques mois, ça a été vraiment le jeu qui est monté tout en haut de l'App Store et qui a fait le plus de revenus. C'est passé devant Clash Royale, devant Clash of Clans, devant tout ce que vous voulez, vraiment. Le jeu a eu un buzz phénoménal sur iOS, vraiment. Je pense que même Epic Games s'attendait pas à ça. Après c'est vrai quand même que le jeu buzzait déjà énormément sur les autres plateformes, sur Xbox, sur PS4 et sur PC. Donc là c'est clair que le faire venir sur téléphone c'était un coup de maître pour eux. Et là du coup tout le monde est un petit peu impatient, parce que c'est vrai que il y a quand même plus de personnes qui ont un téléphone Android qu'un iPhone, parce que c'est vrai que souvent Android c'est plus abordable, etc. Du coup il y en a beaucoup qui attendent la sortie de Fortnite sur Android. Et il y en a surtout beaucoup qui se demandent s'ils seront compatibles avec leur téléphone. Je vais vous mettre un lien les amis dans la description pour que vous puissiez aller voir tout simplement si votre téléphone est compatible avec Fortnite lorsqu'il sortira. C'est tout simplement sur le site de Fortnite, sur le site officiel de Fortnite. Vous avez juste à aller dans la session iOS, dans la session mobile. Vous allez voir ça tout de suite dans tous les cas à l'écran. Vous cliquez du coup sur iOS, ensuite vous cliquez sur lancez-vous. On va vous demander du coup si vous jouez déjà à Fortnite. Vous avez juste à faire oui, du coup après vous allez pouvoir vous connecter avec votre compte PS4, Xbox ou PC. Moi pour ma part du coup c'est PC, du coup je vais me connecter tout simplement. Et on peut voir du coup là que je suis connecté et je vais pouvoir choisir l'appareil que j'ai. Donc là du coup soit je choisis un appareil iOS, dans ce cas là du coup je pourrais jouer directement, ou alors on peut voir qu'il y a écrit juste en dessous Android prochainement. Et du coup on peut voir qu'on a toutes sortes de téléphones, hein. Google Pixel, on a des Huawei, on a des LG, des Motorola, des Razer, des Samsung, des Xperia, enfin bref on a vraiment beaucoup de choses. Et en plus il y a marqué à la fin autre Android, donc ça veut dire qu'on va pouvoir choisir pourquoi pas un autre Android. Je pense que vraiment Fortnite va être compatible avec énormément de téléphones. Après je pense clairement qu'il faudra quand même un téléphone qui est un petit peu récent. Là par exemple ça marche à partir du S7. On a également le A5, etc. Après moi je m'y connais pas énormément en termes de téléphone Android. Je sais pas trop ce qui est récent, ce qui est pas très récent, mais je pense qu'il vous faudra minimum un téléphone de 2016-2017. Parce qu'il faut quand même dire que Fortnite est un jeu qui est très lourd et qui demande beaucoup de puissance à votre téléphone. Donc il vous faudra quand même un bon téléphone. Vous pouvez du coup aller dans le lien qu'il y a dans la description et faire une réservation en fait de Fortnite sur Android. Et du coup dès que le jeu sortira sur votre téléphone, vous recevrez un email. Voilà, aussi petite parenthèse pour ceux qui se demandent oui mais pourquoi est-ce que c'est aussi long d'arriver sur Android. Faut savoir en fait que sur iOS c'était pas très compliqué de sortir le jeu, tout simplement parce que quasiment tous les iPhones ont le même form factor. Je m'explique, par exemple vous prenez l'iPhone 5S, vous prenez l'iPhone SE, etc. Ils ont tous la même taille. Vous prenez par exemple l'iPhone 6, l'iPhone 7 et l'iPhone 8, c'est la même taille. Le 6 plus, le 7 plus, le 8 plus, c'est la même taille. Donc en fait il n'y a pas beaucoup de form factor différents, c'est à dire qu'il n'y a pas beaucoup de forme de l'écran, de taille d'écran, etc., de résolution d'écran différente, alors que sur Android il y a beaucoup de résolutions différentes. Si vous prenez un Galaxy S ou un One ou un Note ou des trucs comme ça, on peut voir que toutes les formes sont différentes du coup d'écran, et du coup c'est beaucoup plus dur pour adapter un jeu, pour adapter l'interface du jeu. Je pense que clairement du coup c'est beaucoup plus long pour eux de créer tout simplement le jeu sur, enfin de mettre le jeu sur Android, quoi, sur le Play Store, parce que du coup il va falloir l'adapter à chaque téléphone, à chaque forme de téléphone et à chaque écran, etc. Donc c'était beaucoup plus simple de le sortir sur iPhone. Un autre point important qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il n'y a pas que l'écran en fait qui bloque un petit peu Android pour sortir Fortnite. Il y a également plein d'autres paramètres, comme par exemple le processeur des téléphones, qui sont complètement différents. Il faut savoir en fait que Android a vraiment des gammes très différentes de téléphones. Ça peut aller de bas prix à très haut prix. Du coup en fait il y a des processeurs qui sont plus ou moins puissants, des capteurs qui sont plus ou moins puissants. En fait tout le téléphone est différent comparé à Apple, où c'est les mêmes bases. Du coup c'est beaucoup plus simple de développer une application sur un système iOS. Il faut savoir également du coup que par exemple pour iOS, il y a très peu de versions d'iOS comparé à Android, où c'est encore une fois beaucoup plus attendu et beaucoup plus diversifié. Donc en fait vraiment une application est beaucoup plus dure à sortir sur Android, surtout un gros jeu comme Fortnite. Autant une petite application c'est pas très compliqué à sortir, mais là un gros jeu comme Fortnite,
c'est normal que ça soit long. Ils auraient clairement préféré sortir le jeu sur les deux, sur iPhone et sur Android, mais c'est plus compliqué de le sortir sur Android. C'est pour ça, à mon avis aussi d'ailleurs, que Brawl Stars a eu beaucoup beaucoup de retard. Je pense que c'est aussi pour les mêmes raisons, mais après je pense qu'ils ont un peu décroché, mais je pense en tout cas que Fortnite, eux, ne vont pas décrocher et qu'ils vont vraiment essayer de le sortir très 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 prochainement sur, sur Android. Alors il y a beaucoup de rumeurs pour la date, il y a beaucoup d'Américains qui parlent du 26 mai. J'ai pas, dans tous les cas, j'ai pas de preuves irréfutables ou quoi que ce soit. Je vous parle juste de rumeurs qui arrivent. Après, j'ai pas envie de vous jeter non plus des fleurs parce que je pense que, eh bien, moi, personnellement, pour moi, le jeu va sortir soit en fin de ce mois-ci, soit le mois prochain parce que, à mon avis, ils nous auraient déjà un petit peu plus teasé sur Twitter. Je pense que le moment où ils vont sortir le jeu sur Android, on aura un petit peu de teasing. C'est-à-dire qu'ils vont pas le sortir du jour au lendemain, je pense. Mais après, ça fait quand même 2 mois qu'on attend, du coup. C'est vrai que ça fait long. C'est vrai qu'on l'attend tous. C'est vrai qu'on a hâte qu'il arrive. Mais voilà, du coup, il y a des rumeurs comme quoi ce serait le 26 mai. J'avais entendu aussi également sur des vidéos qu'on disait le 23. Alors, je sais pas pourquoi vraiment je vous dis ce que j'ai entendu sur des vidéos. Parce qu'on ne sait pas plus que ça au niveau de la date, tout simplement. Mais dans tous les cas, ça devrait arriver dans les semaines et dans les mois qui arrivent. Faut savoir vraiment, comme je vous l'ai dit, que à mon avis c'est très compliqué pour eux, et comme à mon avis même eux ils attendent qu'un truc, c'est d'arriver à sortir leur jeu sur mobile, parce que du coup, vu le succès qu'il y a eu sur iOS, je pense que sur Android ça va vraiment être la folie, et je pense du coup qu'ils vont pouvoir faire un maximum, le jeu va gagner beaucoup plus en popularité, encore une fois tout le monde va pouvoir jouer à Fortnite, et du coup eux ça va augmenter leurs revenus, donc c'est bénéf pour tout le monde. Je pense que eux clairement ils vont le sortir dès qu'ils pourront le jeu, c'est une certitude, et du coup ça ne saurait tarder. Voilà, petite vidéo informative qui aura pas été très longue, mais voilà, je voulais vous expliquer un petit peu l'actualité de Fortnite sur mobile. Du coup, peut-être que je vous referai d'autres vidéos de ce style si on en sait un petit peu plus, s'il y a des petits tweets qui fuitent ou des petits trucs qui fuitent à droite à gauche. Donc voilà, cette vidéo du coup c'est une petite vidéo juste informative pour vous expliquer quand ça va sortir, avec quoi ça va sortir, comment ça va sortir, etc. Donc voilà, pour récapituler du coup, vous avez la liste de tous les téléphones qui sont compatibles et bien dans la description, et pour ce qui est de la date, on n'a rien d'officiel, mais ça arrive à mon avis. Faut juste être patient encore une fois. Allez, du coup j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Et surtout les gars, dites-moi dans les commentaires si vous êtes team Android ou team iOS. Et moi je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Ciao ciao les amis, à plus.